Savez-vous que cet air était déjà joué lors des campagnes de la grande armée napoléonienne? Et qu'aujourd'hui, on peut encore l'entendre lors des fêtes patronales de la vallée de la Vésubie. Et cet air, vous le reconnaissez? Bonjour, je suis le Fifre. Vous me connaissez certainement. Je suis le plus souvent représenté par le tableau de Manet. Accompagné de tambours, je fais partie du paysage festif de la musique occitane. C'est depuis le XVe siècle, grâce aux mercenaires suisses enrôlés nombreux dans l'armée de Louis XII pendant les guerres d'Italie, que je suis introduit en France pour un usage militaire, mon son couvrant largement le bruit des champs de bataille. Je ne suis pas très fier d'avoir participé à ces guerres. Par contre, je suis heureux d'être arrivé jusqu'à la cour de François Ier, le mécène des artistes, qui créa, s'il vous plaît, la charge officielle de fifre du roi pour participer aux cérémonies et fêtes officielles. À la fin du XVIIIe siècle, on dit que c'est le marquis de Lafayette qui m'introduit en Amérique. En 1866, le général Custer choisit pour moi, comme hymne de sa 7e compagnie de cavalerie, un vieil air irlandais joué par les musiciens de son régiment. En France, sous le Premier Empire, je reprends ma place dans les armées de Napoléon, et notamment dans sa garde impériale, non pas comme instrument de musique à part entière, mais plutôt comme un simple moyen de signalisation pour transmettre les commandements aux manœuvres et combats, ou pour donner la cadence pendant les déplacements pédestres. Avec mon ami le tambour, qui s'est illustré lors de la bataille du pont d'Arcole, j'animais alors les longues soirées de bivouac pendant les campagnes. Si les rigodons nous sont parvenus intacts dans le répertoire des tambours, quelques rares dianes me permettent de témoigner encore aujourd'hui de ces soirées où crépitait le feu de camp. En 1831, en France, je suis remplacé dans les armées par le clairon ou la trompette de cavalerie, mais j'ai été conservé jusqu'au début du XXe siècle par l'infanterie de marine et jusqu'à nos jours par la Légion étrangère. Rentrés dans leur foyer, les soldats joueurs de fifre, devenus souvent bergers, ont continué à me faire jouer leurs airs. Et petit à petit, je me suis développé dans toute l'Occitanie, en France, en Italie, du Piémont à l'Aquitaine, mais également en Suisse.
Au nord de l'Hexagone, en particulier à Dunkerque, il existe aussi une tradition bien ancrée, celle du carnaval. En tant que ville de garnison, j'y ai trouvé naturellement toute ma place. Dans le sud de la France, à Pézenas, le carnaval reste particulièrement vivace, associé à un animal totémique, le poulain. On retrouve cette association à un animal à Gans, en Gironde, autour du sacrifice du bœuf. En Gascogne, Edmond Rostand fait dire à Cyrano ses quelques vers sur moi, en s'adressant à Bertrand Doux, son musicien. Un ancien berger. Que le fifre aujourd'hui, guerrier qui s'afflige, se souvienne un moment pendant que sur sa tige, tes doigts semblent danser un menuet d'oiseaux, qu'avant d'être d'ébène, il fut de roseaux. Dans les années 1970 que certains musiciens relancent la tradition et m'invitent à nouveau à leur fête, en m'associant à leurs chansons, musique et danse traditionnelles, en Occitanie et en particulier en Pays niçois. Ainsi, Zéphirin Castelon, à Belvédère, dans la vallée de la Vésubie, auteur, compositeur, chanteur, siblaire, compose des chansons qui rendent hommage à son village et à sa vallée. Élie Roubaudy crée, en 1982 à Lantosque, l'Abadia de la Morisca, pour le maintien et la promotion d'une musique traditionnelle en pays niçois. De son côté, dans l'Hérault, Jean-Michel Lubac participe à la création d'un atelier de fifre en 1981. Il est l'auteur de la seule méthode de fifre actuellement disponible. Leur rencontre en Arles en 1982 va décider Élie Roubaudy à créer la première fête du fifre à Lantosque en 1983. C'est ainsi que 30 ans plus tard, la fête du fifre 2013 se déroule en Vésubie à Lantosque, Belvédère, Saint-Martin-Vésubie et Roquebillière. Thank you.
je suis heureux d'être là, au centre de cette culture vivante de la fête, pour continuer à transmettre la joie de vivre qu'évoque mon souffle, capable de tous nous rassembler. Enfin, je suis heureux de partager simplement cette folle envie de jouer à l'infini et de rassembler pour faire danser et chanter petits et grands.